Bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs à Morel et Tocomiapi Télévision. Il est 10h20 à Kinshasa, 1h de plus à Louboudi, nous sommes dans la province du Lualaba. Fidèles téléspectateurs, je suis très heureux de savoir que vous allez bien brancher ce coach bon messano pour Rolanda Manakanabiso awa na Tocomiapi Télévision et allez bon tranche mon néné Jambo Mikolo Tokomi na système ka moko au Pessi to Boaki au Pessité Matissa volume, tia télécommande na sa main sa sort na katia tiroir, kanga, lanane nini, tozo beta masolo, yamboka. République démocratique du Congo, notre pays, notre très cher et beau pays, mboka wo etonda nkite etonda bozui, tozo beta masolo ya Kisasa, tozo beta masolo ya Katanga, tozo beta masolo ya Kasai, tozo beta masolo ya Congo central, pourquoi pas tozo beta masolo ya Grand Bandundu, tozo beta li susu. Comme d'habitude, Masolo ya Goma, Torobeta Masolo ya province orientale, disons, Torobeta Lissus Masolo ya nord et sud Kivu, Torobeta Masolo ya Ituri, Torobeta Masolo ya Congo, monde en, Congo dans son ensemble, Nantina toujours ya Kebozala, branché scotché, na actualité ya Mbokanabiso, République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, Masolo o toza Torobeta Lelo, Ezali Masolo moko très capital, peu important parce que le Congo attend de nous plus. Le Congo attend de nous plus. Congo, ils ont la nabiso. To bongisa. Le lengi nabiso ako fanda. To bongisa. Le lengi nabiso ako tambola. To bongisa. Le lengi nabiso ako vivre. To bika ka nengenini na Congo. To bika ka nengenini. Le Congo attend de nous beaucoup de choses. Alors, ce matin, je voulais quand même faire un clin d'œil spécial à toutes les personnes en situation de handicap. Aux alina handicap nanzo toba handicap mususu au moins na ngi nazo tambola boye tu me vois ah, c'est un monsieur beau il marche bien mais peut-être je pas voir na rosa na handicap moko na misu na lati linette na cause na handicap moko tam mususu na musapi ezo salanga passe na cause na ba problème ça et là qui risque de me compliquer qui me complique même la vie. C'est pourquoi aujourd'hui là à l'instant même nous sommes en train de passer na étape mususu ya vie ozala ki na handicap na litoy ozala ki na ozana handicap na lokolo ozana handicap batimusu balobaka handicap mususu ozala pe na niveau a mutu. Oui eza insulte te il y a des handicaps na niveau a mutu ki mutu bato ba mela ba kunin mingi na vie au mona er moko azo ka bien te er moko azo ka mutu zo beta ezali handicap. Na pesi bino mbote, bande konanga inyonso. Na pesi bino mbote, mbote li susu. Na bino banso, ba telespektator ya Tocomiapi Television, balandi ya magazine na biso, Jambo, Jambo, ezali bongo magazine ya proximité ya peuple, proximité ya population, tokobeta masolo, ya Kinshasa, tokobeta sécurité, environnement, masolo, etali bongo, santé ya population, masolo etali bongo, vie. Yaba kinoa, zna ba kinoa, ni neza ko le kana. Kalate, ba kopone la biso ba gouverneur, soko tali ba gouverneur, oyo, ba kreaka handicap na Congo na biso, ezali mingi ba gouverneur a Kinshasa. Parce que Kinshasa ezali capital, ezali monene, ezali na 4 districts, ya monene, soko zui Tchangu, eko za la pays mobimba. Soko zui Funa, eko za la pays mobimba. Soko zui Moamba, ezali lokola pays mobimba. Lukunga n'en parlons même pas.
C'est pour dire que ce qui Kinshasa fendit bien, ils ont le rôle à moto. Balobimbi si a pour la candé na moto. C'est la tête qui a un problème. Attendez que tous abo étant que bateau. Ceux qui ont un problème, moto ils ont un problème. Aux abo nimba, ma collègue tambo la bienté. Le bon ego tambo la mala ego zala mala monté. Nous autres mobimbi ego zala na problème parce que moto la tête a un problème. Mais notre tête ici en RDC c'est Kinshasa. Batunyon se ba ou tarapoto ba bandela kao. Mais nazalagi na posa mo collègue alélo. To sombi kinyama kanisi. To tala nini esengeli to sala. Po na kofandi sa meke, masola ki sasa. Kalate ba gouverneur ba koponama. Batunyon se baza na posa baya. 29 candidats déjà. Ba nouveau locataire ya hôtel de ville à Kinshasa. Tout le monde veut devenir gouverneur à Kinshasa. Mais ba kokuta Kinshasa na ita nini. Nini ba kosala pour que ba maintenir leadership na bango po na lobaki déjà lobby que Kinshasa oyo eza lokola ville moko ici di saka bato carrière politique. Ce que tali kimbuta lelo, j'ai carrière ici là, via yo kana le souter. Le longo bi la gentini après Kinshasa. Moi makamu mike mike ko bana loba ma papa tikela biso boya sala eloko ya malonga te boy. N'oublions pas qu'il y a pas longtemps que na zandu wana bato baemba Kimbuta Kimbuta yaka tobongisa likambo oyo ngubila koko kate toko kufa pamba siko to banga ke lobie koma ngubila ngubila yaka tobongisa likambo oyo yako kite toko kufa pamba. C'est ça la crainte que nous avons maintenant pour faire face à tous ces problèmes et sengilito solo là. Quand le gouverneur est à Kokota, ceux qui ont la Nabiso Sikoyo, ils ont déjà que voilà les problèmes où ils ont osé l'anga lobby pour que nous pouvons les alaka bien. Mais ceux qui ont eu l'ango et comme responsabilité, ils ont sous priorité, ils ont sous privilège, et comme priorité, on dit que quand je dors, ce n'est pas moi qui dors, c'est tous les Kinois qui dorment. Quand je me réveille, c'est tous les Kinois qui se réveillent. Tout mouvement que je fais dépend des Kinois. La vie des Kinois maintenant commence à dépendre de ma politique. C'est pourquoi na ebisa gibino Kinshasa et ali suna posa te gouverneur ou afanda les États-Unis à tanga na poto non. Kinshasa ali suna problème te besoin ya keo muto le baga français le rôle la mondele. D'ailleurs français a monoro na bisote. To ali suna na posa gouverneur non na za bili sansé na bi docteur. To ali posa un intellectuel bien sûr mais qui a la passion des Kinoises et Kinois. Qui a la passion de sa nation. Quelqu'un qui va mettre l'homme au centre de sa politique. Un innovateur, un bon manager. Quelqu'un qui peut nous aider à vivre un autre Kinshasa. Pas Kinshasa, tout le monde a oublié, mais pas Basali, Talanze, la Mounene, Boulevard, nous avons ce pélaba, nous avons ce pélaba, mais Talat à niveau Moukiao. Moula, ce qui est bêti, est commis problème. C'est ce que nous évitons. Tous allez en direct. On a plus 243 82 116 33 29. Et Zali numéro n'a biso à répondeur. Tous allez pour ça. Baimbo kanyoso. Bandeko bazar olanda biso na monga fula. Bandeko bazar olanda biso na ngomba kikusa na minute oyo. Bobenga biso. Bandeko bazar olanda biso na singa inga. Bazar olanda biso na quartier ndanu. Bana kisensu. O bazar la victime ya insécurité. Alimentaire, insécurité physique, insécurité na ba niveau nyo sanitaire. Toza na posa bobe nga biso. Bope sa biso ba desiderata na bino. Oye ko sala ke gouverneur oya ko yasika a kokisa yango nantina ke to vivre lisusu makambo to ko vivre te pamba te biblie lobi les égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Vous ne les reverrez plus haut. Bomo na bango lisusu te ba kokende libela. Ba égyptien bazali banane bato ba memeli biso politique ya kadiosha politique ya donc yibaka mbongo cha na poche politique ya kosa babenda yo kosa uzo bulo politique ya bajaliliste bazoko sa bulelo awa boye lobi babaluki tozali en direct na tokomia pi télévision na kotangi la bino mayi bisika ka mibale après to koti mbala moko parce que nazali na invité moko de taille na tongo azali mopanzi sango lokola ngai pour vivre coup de gueule na tongo wa pamba te moto za nzambe za kopela ki sasa eza kopela alors
tozui mopanzi sango ya chaîne mususu ya etando mususu nantina ke tosomi kinyana no makanisi. Qu'est-ce que nous préparons pour l'avenir de nos chers compatriotes et Sengeli Media tolobela yango na yango lelo nazo ki invité moko qui est très spécial comme on a Zali Bongo Serge Kaembe. Serge Kaembe Zali confrère nanga journaliste to solo lana moko lo ya lelo pour na koyeba nini ba kinoise na ba kinoa ba roki kozela na gouverneur ya koya lobby mais to kobeta mo ma solo ebele ba révélation monsieur Soko Salema to Zali na ba concert ebele mikolo gospel et tomboki. Tu as dit que concert rebelle, Michel Bakenda Zago, pèse à biso rendez-vous pour dimanche, il y a lobby. Dimanche, na Hilton Hotel, Michel Bakenda a présenté biso album nae, après plusieurs années, a présenté biso album nae, Dieu de mon âge. Entrée, ils allaient bon $200, n'a expliqué Kibino, ban en Zambé, ba intello, ba rokiko discuté, c'est parce que Michel Bakenda tient concert $200. Et si quand Michel Bakenda Zako organisé concert, wana, ils allaient, et si quand moko ya bo peto mingi. C'est un endroit où ma condition se sont réunies. Ils ont dit milieu moro ya blague te. Ce qu'on a concert wana, c'est-à-dire qu'on a bien accueilli, qu'on a la condition à bien sécurité, qu'on a assuré, qu'on a été. Moula ta ce que vous avez vu dans le mois d'avril, mois pluvieux. Donc moi, moule beta kamingi. Ce n'est pas que vous avez un concert à l'Obandi Kotoka, Obandi Komi Kwanzano, ils ont ici à Malili. Et si quand ma condition est réunie, le frère Michel Bakenda va vraiment nous amener dans la présence du Seigneur ce dimanche. Aux Alliés en Afrique du Sud, aux Alliés en Belgique, aux Alliés en Angleterre. Il est grand temps au Katissa. Bosomba billet à concert à frère Michel Bakenda. Moi, je vous invite de pouvoir soutenir notre frère là. Bisoba Nanza Metocha na poa. Pour Bafali, pour Babacha na rapé poa na ndenge na bango. Ba héritier wata. Mais Bisoba Nanza Metocha na pe poa. Tiens, Michel Bakenda poa. $200, ce n'est pas beaucoup. To baby sarango, to sombara sombarango, mais ceux qui ont investi rango, na moussala nzambe. Ne venez pas seulement dans un concert, venez dans la présence du Seigneur et le Dieu du ciel va vous bénir. Dieu de mon âge, c'est le titre de son album qu'il va présenter, je pense déjà, c'est dimanche 14, moi-même le sénateur, je serai là. Na rozalawa na ngana maroula, molongani na ngaye. To rozalawa na to koyemba, donc, cette fois-ci, ça. Kaliki le mo kote. Alors, ma concert est allé belé. De l'autre côté, Onésime Kalala aussi nous donne un rendez-vous pour très bientôt, je crois, au mois de juin. Na, comment on appelle? Échangeur. Bah, artiste belé belé baro beta. Et kozala bien makasi. Et le pasteur Moïse Mbie, après Goma, il va célébrer son concert au Stade des Martyrs le 19 mai. Ah, toko talanan. Mais tout n'est pas ébélé dans Serge Awa. Mais le 24, d'abord le 26 mai, tu es à Paris. Na es à Paris. Tu es à Paris. Tu es à Paris. Mais à disposition, tu es à Paris. Tu es à chroniqueur, tu es à gospel, tu es à Solo. Tu es à concert, il y a Mike Kalambay, il y a Stade de Martyrs le 27 juillet. Fidèle téléspectateur, je vais vous parler rapidement. Mireille Masangu, Bibi Muloko, épouse du fait Gabriel Kungwa Kumwanza et Sakina Binti Selemani, toutes les deux vice-présidentes du parti politique Union Nationale des Fédéralistes du Congo, UNAFEC, ont été radiées de cette formation politique, membre de l'Union Sacrée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Jean Ladislas Umba Lungange, président national de l'UNAFEC, l'a dit hier, en fait, je crois que c'était le lundi 8 avril 2024, dans une lettre dont une copie a parvenu à la rédaction de Tokomiapi Télévision. Donc, on signale que il a ajouté la troisième personnalité de cette formation politique à être radiée aussi, c'est M. Zazu Kabolo Ntsumbi, président national de la jeunesse. Makamboyo. Ils ont les gars dans la Genafec, on a encore tâté parce qu'il y a Kuna et Zalaramon de Moko à part. Nous voulons que que cette formation politique de l'homme d'État, le feu Gabriel Kungwa Kumwanza, et Zala bien. Selon ma information, comme Elingay, Balobi, Kuna, Tozana, trois candidats à Union Sacrée, Oyo, Batché en place pour gérer Katanga. Babimisi Union Sacrée ezali ko accompagner Jacques Kiabula Kate lokola candidat gouverneur na bango
na province ya Okatanga batie Martin Kazembe comme vice-gouverneur, candidat vice-gouverneur, et le président de l'Assemblée provinciale, c'est Michel Kabwe. Bande komisa tu oyo, bazui initiative ya ko saligné sima union sacrée. Tango ba jeune, ba sali marche ya soutien ya ba candidat ya union sacrée, à savoir Kakiaboula, Jacques, gouverneur, je répète, Martin Kazembe, vice-gouverneur, na Michel Kabwe, président de l'Assemblée provinciale. Mbalamoko bande kwa inafek ba tombo ki ba lobi. Bango baza na kandida na bango ki yo l'actuel président ya bureau d'âge. Ya Assemblée provinciale ya Okatanga. Mbalamoko ba lobi baza ba traître. Parce que bango ba ke marche ya ba to union sacrée. Alors que baza na kandida na bango inafek. Nenini ba ki pe ete. Bango ba ke ko akompanye bazo soutenir kandida ya union sacrée. Nde sika oliwa yo outi. Donc liwa oyo ezako uta pasi ya ba ndeko ezali seulement parce que bango ba s'aligner si ma union sacrée ba s'aligner na décision ya union sacrée. Donc ne place problème ezali. Alors il n'y a rien au-delà de ça. Alors pour terminer, c'est l'affaire du faille du système financier congolais mise en lumière depuis quelques jours, c'est dans une affaire troublante qui secoue les fondations de la République démocratique du Congo. Monsieur Tshiyeyo réclame une véhémence à l'État congolais les remboursements d'une somme colossale qu'il prétend avoir prêtée et investie dans des activités publiques pendant une période de 3 longues années. Cette revendication soulève des questions brillantes, disons, quant à la transparence, à la légitimité et à la crédibilité des pratiques financières en vigueur dans notre pays. Donc il y a un problème. Ils en appellent Moko, M. Tshiyeyo, dans mon acquis, ma vidéo, je suis dans les réseaux sociaux. Azala qui na ministère à finance azo insister ba pe c'est mon na e bazo filmer papa bato tout ça même akamwa Nicolas Kazad Balobine de quoi nazala qui au représentant du chef de l'État na francophonie azali ko réclamer misolo na e mais bo pe c'est atamwa ndambo olé ça la makelé le boy ça fait honte, ce n'est pas bon. Alors voilà en quelque sorte ma ibisto azala qui nango parce que les restes to ko solo lango na ndeko na ngai mon frère Serge KMB à qui j'ai dit bonjour. Bonjour mon frère, vous allez bien ce soir? Très bien, et toi-même? Je fais grâce. Serge Kayembe, journaliste, chroniqueur, je dirais, aux Alimini na Gospel. Et Nicolas Lamone Komokota politique, le rôle en aïe. Boni la vie dans l'ensemble. Bon, la vie va mieux. Politique, ils ont monde, vous savez que dans la vie, surtout ici au Congo, lorsque vous vivez, vous êtes toujours appelé à faire un pas à la politique. Sinon, politique, il y a un moment où il y a politique, il y a un moment où il y a Boni, pasteur Mike Kalambay. Le pasteur Mike va très très très, très bien. Il passe son séjour le long à Paris. C'est qu'il accueilli pour ma mission, moi, service avec l'équipe de Madjabou. Ok. Madjabou Gospel. C'est la troisième, première édition pour Madjabou International. Ok. Madjabou Talents International. Qui commence à l'espace. Il y a Paris, donc en Belgique, Bruxelles, on ne sait rien à Paris. Ah donc, il faut que nous soyons en Belgique, en Paris, en Bruxelles. Non, ça c'est juste pour... Papa... toujours le concours. Concours, il y a Madjabou Talents. Il y a Bandi, en Paris. Vous comprenez? Mais d'abord, on a un problème à la province. Il faut que nous soyons en Madjabou. Dans la province, c'est 17 ans. Chez moi, à Kananga, il y a des artistes talentueux. Est-ce que vous avez dit que... Papa, moi-même je suis arrivé dans le Kassai. Akananga chez moi, à Chikapa, n'en parlons pas. Mais deuxième édition, il faut pas d'abord à Kananga. Au moins, il faut que tu aies un peu de temps. Un peu de boucole. Moussambu à Chiluba. Baba, on est où t'as rendu na Kananga? Mais boye baraté. Je vis dans un concert, il y a Fiston Mamba. Oui.
Emmanuel et Djiba Djalountek. Madjabo est en train d'arriver. Non, mais il faut arriver à Kananga. Madjabo est en train d'arriver. Na Kasai Central, vous devez quand même faire quelque chose. C'est ce que je dis. Madjabo Izokoma Kalate. Kalate Bazozonga pendant ça, la deuxième édition. Il y a Madjabo Talents. Ok. On a République de Donc, ça, c'est le rebondissement pendant que Naba province, Misusu, Sankourou, Okende, Naba. Voilà, c'est ça ce qui va se passer bientôt là même. Mais pour cet instant, le pasteur séjourne à Paris. Ok. Il va très bien d'ailleurs, à l'aise. Il va très bien à Paris, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, bon, tout le monde quand même. Bah, téléspectateurs, bon, on a bisous. Tous allés en direct. Beaucoup bien, on a bisous. Beaucoup comme on a bisous. Tous allés en plus de 143. 82-163, 29, les allés, bon, numéro, on a bisous à répondeur. Avant tout, on a ma qui ça. Comme Nayambi, chroniqueur, il y a gospel, le Kolangaï. Tout le monde qui a un peu relevé débat. Pour éclairer ma zone d'ombre sur ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, est-ce que les lots, tokoki koloba que musique, il y a gospel, ça va na RDC. Avant tout, voilà, on a commencé, je ne veux même pas saluer le, notre spectateur qui nous suit de partout. Ah, voilà, c'est toi qui n'as pas voulu le saluer. Je félicite aussi l'honorable. L'honorable Ndeko Eliezer qui. Okay. Ah. Qui ne fait que monter, monter, monter. Je suis entré ici, je me suis dit, mais attends, Nazan a RFI, Nazan a France 24, ou bien Nazan a Tokomi Wapi. Wali na Tokomi Wapi. En tout cas, mon cher honorable, je vous dis félicitations. Je vous dis que Dieu vous élève encore. Vous êtes un témoignage de la grâce. De la grâce, disons. Vous êtes un témoignage de la grâce. Vous êtes aussi un exemple du courage. Très bien. Dans ce monde et surtout dans notre pays. Voilà. Est-ce que la musique gospel les a évolué bien? Ou bien les a quitté? Musique gospel les a évolué très 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 bien dans notre pays. Vous allez voir que aujourd'hui, musicien gospel, concert, vous venez de donner l'exemple de Michel Bakenda. De Michel Bakenda, où a été concert, 200 dollars. Ce qui est raisonnable. Mais ça s'est dit trop. Bato Bazo, le bango. Ce qui est raisonnable. Le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il faut seulement que Fali mette son concert à 200 dollars, Bato Bakenda? Pourquoi pas Michel? Ok. Pourquoi pas Michel? Pourquoi pas Michel? Parce qu'il t'en hôtel. Il t'en hôtel. Déjà, c'est la fait classe. Louer à 18 000 dollars. C'est là. 18 000 dollars. Pour nous louer Hilton Hotel, Salwa Nakaka. Donc, aujourd'hui, Kaka Salia Hilton Hotel, pour au salaba action na yo. C'est 18 000 dollars. Mais vous allez prendre des instruments. Attendez. Mais oui, allez-y. 18 000 dollars. J'ai parlé 18 000. Ok. Avec des informations sûres. Vous pouvez vérifier. Moi, je vous demande ce qu'il y a de vérifier. On loue Sal Hilton Hotel. Donc, à jouer au nom de Jésuité. Non, à jouer au nom de Jésuité, il a donné de l'argent. Alors, il doit récupérer cet argent. Et pourquoi nous ne pouvons pas soutenir ces hommes de Dieu? Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas soutenir des hommes de Dieu? Sauf aujourd'hui, instrument Yangomoko, nous pouvons aller dans les 15 000, 10 000 dollars. Mais oui. Instrument Yangomoko, sans tenir compte, il y a lumière. Ouais, voilà. Alors, moi, pour moi, je dis que Bandeko Batika, musicien chrétien, Lelo, on a la fierté dans notre pays. Parce qu'on garde surtout, Lelo, c'est ça, les sources, c'est ça, que dans un bon talent d'abisso à Kala. Vous comprenez? On a par exemple, quelqu'un comme le pasteur Mike Alambay. Ouais. Quelqu'un qui a commencé. Depuis qu'il a commencé sa carrière, je suis au bout sanitaire. Tobo sanitaire pété. A foutu sa bise au bas 200 dollars. Il est toujours le top. Mais ben voilà. A foutu sa bise au bas 200 dollars. À Pullman à l'époque. Je voulais vous le dire. Il est parmi les premiers artistes congolais gospel. Valoriser musique. Il y a gospel. Non, ça c'est. Là, il faut le dire parce que c'est pas quelqu'un qui est à son premier pas. Premièrement pour. Nanazo qui est déjà du bosson, non? Tout à fait. Non, le Mambo Stade de Martyr. Oui. C'est pas, il n'est pas à son premier pas pour jouer à un stade de Martyr, à un stade ici au Congo. C'est quelqu'un, c'est le premier artiste qui a commencé ces jeux de stade. Non. Mais je t'ai dit. Non, José Zita Babeta n'a pas stade. Non. J'ai dit le premier artiste. José Zita Babeta stade après Mike Alambay. Donc le pasteur Mike Alambay, le premier artiste, il y a Gospel Babeta n'a stade. Stade, oui. Kenne Dumbashi, Kenne Kolozi, a Tondi Sapena.
je peux aller loin, piquer ma crise. Non, mais je sais, une fois l'honorable Vital Sozou m'en a parlé, et à Lubumbashi pour me dire que non, voilà, je serai à Kinshasa pour participer au concert du pasteur Mike Kalamba. Oui, je salue d'ailleurs l'honorable Vital Sozou. Il n'est pas son premier pas pour le stade de martyr. Alors, venez lui dire, est-ce que la musique gospel est Kéliboso? Et qui t'a passé. Musique gospel est niveau, il y a ma critique où ils ont ça les mains. Seulement, il y a une chose, mon ami. Il y a une chose, c'est ce que je voudrais qu'on en parle. La chose que, évitons de faire des choses avec l'hypocrisie. Ça veut dire qu'il faut linga on est en tant que frère, en tant que journaliste, en tant que mon ami. Je t'aime tellement et puis je te prouve que je t'aime. Si je ne t'aime pas ou si j'ai un problème avec toi, je te le dis. Très bien. Face. Très bien. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit on doit évoluer. Mais toi tu as bien au monde où il y a la qui signe face B et face A. OK na Simon, la qui signe face B. Depuis quand un musicien gospel vous a engagé Batou pour finir la mission gospel. Ah, on a Kinshasa Bazali. Donc, il y a tout le monde qui a que non. Mais ça existe. On parle de la musique gospel. Oui. C'est-à-dire, nous pouvons dire que musique gospel, les yeux évoluent par rapport à la comportement. Les yeux évoluent. Le problème, c'est que les gens doivent reprendre l'habitude d'Nabiso Akala, ou de Kouloutou Nabiso Asaki. Neti banani ba frère Patrice. Oui. De Ningonde, frère Matou, Neko Nabiso. Il y a des gens quand même. Il y a des gens qui gardent quand même. Depuis tout ce temps, il y avait du calme. Il y avait du calme parce que le pasteur Mike Kalambay, artiste Nabiso, Toroki Koboma était, Bazali ba héros Nabiso dans le monde ya gospel grâce à eux. Vous trouvez quand le pasteur Moïse Mbie vous chante. Le pasteur Mike Kalambay vous chante, quand le Mama Lor Mbongo vous chante, tout ça, il y a beaucoup. Il y a âme au Bazala qui sauvé, Bazala a souvent sauvé jusqu'à ces jours. Mais Toyoka qui Makambo et l'Obama qui Awa concernant sa famille, sa vie privée, parce que via pasteur Mike Kalambay et Koki Soukozala privé. Et comme si au public, en cas de mouvement, amela maïbo, magalama amela kimaya, akota zamba, akota kizamba, asalabo. Alors, est-ce qu'il fallait que pasteur Mike Kalambay a créé les sous-actualités na molonga ni na ya kala pour réussir na concert? Je pose la question. Il fallait que le pasteur Mike Kalambay, serviteur de Dieu de son état, a créé Toléwana dans les réseaux sociaux pour que à se faire entendre, ou bien ils ont mauvaise foi à Batou ne pas créer pour que ils aient la, puisque je me pose la question, qu'est-ce que Mike Kalambay doit encore faire pour nous prouver qu'il est excellent dans cette république? Voilà, tu finis maintenant bien. Qu'est-ce qui se passe? Je commence d'abord par te féliciter. On a chute Nayo. Aujourd'hui, le pasteur Mike Kalambay n'a plus rien à prouver pour vous prouver que vous montez qu'il est excellent, qu'il est la légende. Est-ce que le pasteur Mike peut créer un buzz pour un concert? Non, mais attends, on parle d'une légende.
J'aimerais que lorsque on parle du pasteur Mike Kalambay en tant que musicien, qu'on ait quand même un respect. Là, j'invite tous les journalistes qui parlent de cet homme sur des réseaux sociaux, dans leurs émissions, qu'on ait du respect. Ils sont parmi combien d'artistes au Congo? Mais c'est le seul artiste qui a plusieurs trophées. Je t'ai dit ici, mon frère, tu es journaliste, il y a quoi? S'il vous plaît, plusieurs trophées. Non, mais c'est parce qu'il aime des trophées. Non, mais non, non, pas seulement ça. Plusieurs trophées dans l'Afrique, ainsi qu'ici dans notre pays, la RDC. Alors, lorsqu'on parle de pasteur Mike Kalambay, on doit avoir beaucoup de ressources. Je m'adresse à tous les journalistes. Tu parles du pasteur Mike Kalambay. Parce que c'est quelqu'un qui fait la fierté de notre pays, de la musique de notre pays, surtout dans le gospel. Mais comment il... Attends, comment vous pouvez faire en sorte que le pasteur Mike a évité Makam? Makam, voyez les cas. Pourquoi? Non, mais il y a qu'à la bambou mani. Non, s'il vous plaît. Il y a qu'à la bambou mani. Mais je suis en train d'arriver. Oui, je vous en prie. Je suis en train d'arriver. Pourquoi? Parce que Mike Kalambay, c'est le seul artiste qui a débuté, qui a commencé à annoncer le stade de martyr avant tout le monde. Non, pour ça, je sais. S'il vous plaît. Ouais, mais oui, c'est voilà, je suis en train d'avancer. Pourquoi aussi? Parce qu'il s'agit que de Mike Kalambay. Il s'agit que de Mike. C'est le seul artiste qui est en actualité, même si il n'a pas un album sur le marché. Kalambay est toujours à l'actualité. C'est le seul artiste qui a, c'est le seul artiste de son niveau qui a des chansons. Donc je peux dire quoi, qu'il y a des chansons génériques qui sont jouées partout. Aujourd'hui, Lilita et Tikali Zembo, il y a Pâques. Lilita et Tikali. Donc je t'ai dit que, moi j'ai eu un témoignage d'une petite soeur qui est à Paris, Stéphanie, que je salue. Elle a déjà son billet pour le Zénith de Paris. Et puis sinon, quand j'ai écouté, c'est qu'elle est née là-bas, mais elle est là-bas. La première fois que j'ai suivi la chanson, j'ai demandé à la maman d'acheter, de commencer à acheter le flash de cet artiste-là. Alors, c'est quelqu'un qu'il faut beaucoup avoir du respect lorsqu'on parle de lui. Pourquoi il y a des problèmes sur les réseaux sociaux? Vous venez de dire que ce sont des problèmes privés, sont des problèmes de sa famille. Et ça, est privé, mais ah ouais, comme qu'on touche la personnalité, n'aille parce que les journalistes en parlent. Mais je vais t'étonner. Moi, je voulais que nous éclairons les autres membres. Et là, télévision. Oui, je vais t'étonner. Nous sommes une chaîne de télévision. Oyo, et chakala chakalate, naba nyamou nyamouté. Voilà. On doit éclairer les ondes d'ombre. Ce qui m'a bé, c'est le bakéza m'a bé. Vous savez pourquoi moi je vous ai invité au plateau aujourd'hui? Pour qu'on en parle. Parce que si le pasteur Mike Kalambay était sur place à Kinshasa, il allait être sur place là. Alinaz à la place aux allées. Pour que tu éclaires Bazon d'ombre, tu aussi dis ça au caca. La manière dont ça s'explique, le païen, Badongolomissou, les détracteurs de l'évangélisation dans notre pays, Bazu Yango, Balati Yango, comment les langues dans les réseaux sociaux. Alors moi je voulais qu'aujourd'hui, éclairé car bazon d'ombre yébissanga en réalité qu'est-ce qui se passe dans ma camboza ou le canal des réseaux sociaux et ça sur le toit le côté aux alliés chroniqueurs à gospel dans notre cours à cabassa la dame mais mieux que je suis en train d'éviter ces débats là c'est un débat trop primaire parce que même les gens tout le monde ont compris que il y a un autre problème. Très bien, je vais t'étonner que il y a même des serviteurs de Dieu, deux artistes qui sont derrière cette dame là Zéla. Oui, mais il y a des artistes serviteurs de Dieu au Baza Simayaba Kouana. Oui. Et c'est quoi l'idée? Mais voilà, c'est la question que j'allais me poser. C'est pour étouffer, un, les concerts de Paris, deux, les concerts de Stade de Martyr. Or, Bazomiko, ça, parce que tu as un sold out. Déjà, tu as un 98%. J'avais déjà dit aux gens qui étaient habillés à Paris, déjà ici. Là, il s'est dit depuis l'objet que le coupon à concert, il y a le 26 mai, à Paris, donc Zénith de Paris. C'est la première fois pour le pasteur Mike Kalambay de jouer. Pas seulement le pasteur Mike Kalambay, c'est la première fois qu'un artiste gospel musicien d'ici au Congo joue là-bas. Allez-y, va. Attendez, Bandela. Je parle le premier artiste dit gospel congolais. Oui. Oh, Obeta na Zénith de Paris. Depuis que l'histoire de la musique congolaise est bandana gospel, il est le premier. Le premier. Va vérifier. Il est à féliciter. Ah voilà. Il est à féliciter. Et d'ailleurs là, j'en profite. Comprenez. Boyibi que ngai gospel et amondo nanga. Je peux l'affirmer que. Alors on décolle l'ancienne, s'il vous plaît. Na féliciter non ma diable.
Allez-y. Parce que c'est Madjabou qui est le producteur du pasteur Mike Kalambay. Oui. Te féliciter bango puisque ma producteur ya Bazala li souté. Ce qui Madjabou au sale logo a bien boyé tozo komisa. Mais non, bon voilà, voilà. Il faut na boka pe moi. Lorsqu'on parle de l'évolution du gospel en RDC, on doit féliciter Madame. Ok. On doit féliciter. Oui, bazo le baki utile arabe tout bas poison. Banane valgumo. Oh papa. Oh ça la macamounié là tout ça. Serge papa. Non non, traitons comme des journalistes non papa. Nous sommes devant ces peuples baba téléspectateurs à travers le monde baosa baolanda biso. Nayoka ki moi j'étais au Katanga, je n'étais pas Kinshasa. S'il vous plaît. Nayoka ki ba ebisi ngai ke. S'il vous plaît la sœur. Madjabou et comment vous tiez là tout bas poison. Nazala posa expliquer ngai awa ce qui se passe en réalité. Mon ami, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes un grand journaliste. Bien sûr que oui. Connu comme un grand journaliste sur un plateau prestigieux comme ça, sur un plateau de Tokomiwapi, tu parles de Makamboya Nayoki sur les réseaux sociaux. Non, mais on parle de Madjabou, mon frère. Oui. C'est une structure bien organisée. Alors, on ne peut pas prendre des histoires qui se passent sur les réseaux sociaux. Bah, le Bangou, ce n'est pas. Amelay Daban. Moto Alobakian. Amelay déjà. Amelay Ban. Moto. Ah oui. Parce que je suis plus 243 89 116 33 29 faisant la navigation à travers le monde. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en direct de Tokomiapi Télévision au Bengi Bisso au Pessibisso. Point de vue Nayo, avis Nayo par rapport à Yamakamoto Zarolobato Banagi. D'abord, on a consoeur Yamichel Bakenda qui se produit ce dimanche 14 avril na Hilton Hotel. Droit d'entrée, c'est $200 seulement. Yaka Buffet et Kozala Oyembi. Ou San Jolincolo, Hermoko, Zumwa Café au Meli, ou Zumwa na donc révolution. Donc, banami balo, ba eko révolutionner musique ya gospel ya Congo. Ba se kagibiso mingi, oh non, ba frère balataka, ba polo mo e skendaboe, ba chemise mo e. Siko awa, soin na kibonzambe, la sainteté n'exclut pas, paf, balobi, la sainteté n'exclut pas la sainteté. Alors, nous sommes en train d'échanger un peu autour. Il y a ma tractation, ils allient au salon, les réseaux sociaux, bah, Kolobama, moi, Mingi, sur le pasteur Mike Kalambay et sa famille, et ça, Kolobama. Alors, apparemment, c'est comme si ça avait touché Naba grande production au Azali Nango. Ça risque d'handicaper à venir. Il y a Bananzambe. Alors, non, je voulais finir, pardon, parce que vous avez parlé, je vous ai laissé un peu commenter. Parce que vous avez parlé de une histoire de poison. Yo, mon a déjà patron, tu es la moine à Moussa, n'est poison. Ex, moi, à Moussa, n'est bien moi, à Moussa, n'est poison. Mouton engagé, yo. Ayo, tu es le poison à Boum. Si qu'on a engagé à Kina. Assure, le. Oh, papa, n'a ni engagé à Kina. Olanda qui a dit, Olanda qui a dit. Le pasteur Mike Kalambay va se produire après Paris. Déjà, le programme est en déénine. Il y a combien, parce que oui, que ça la consort n'est pas à Paris et à Mokumba. Tant que vous annoncez, au Kosa la Bilo, moins que Fali Poupa. Fali Poupa nous a amené plus de 20 personnes, je crois, à Paris. Bah, journaliste et Bakendeki. Bah, Congolais, fan. Bakendeki à Paris. Bakendeki Poto, va vivre un concert en live. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est prévu? Comme ça, mon père, ma diable, on sait que le pasteur Mike. Je vais vous annoncer ceci. C'était pas prévu que je le dise, mais je dois quand même le dire. Le pasteur Mike sera le premier artiste congolais gospel qui va voyager avec plus de. Comment raisonner? Combien de journalistes, combien de fans qui vont pas, partir? Pas combien de journalistes ou combien de fans ou combien de musiciens. Papa, il faut que ce soit un journaliste qui se retrouve. En globalité. Dans la poste, il y a une famille qui est bien ma voyagette. En globalité. Dans la maroule à Tokyo Paris. En globalité. Il y aura plus de 50 personnes qui vont voyager pour Paris. On a pas frais propres et à producteur. Il y a producteur. Ça, vous devez le savoir. Mais on dit que Bande Komadjab, il faut tout couper dans ton solo là. Parce que Makambo, Nazo Kaga, Yokaka, Bozora Mongo, Wapi. Beaucoup de ça a combien? Il faut Makambo dans ton solo là. Alors, non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Pour la gloire de Dieu. C'est ça que je dis. C'est bon, c'est bon. Oh, papa. Au sein de la Madjab, tu es là, tu as une question à Madjab. Bozora Mongo, Wapi. Et puis, écoute, pourquoi le Madjab a été dit? Mais c'est ça. Mais quand je attends bah il a tes pasteurs bon toi sur la monnaie c'était au stade des martyrs on a mona qui a quand je vois ce qu'ils font est-ce qu'ils font dans naïe ba mutu pour na kumisa maramazo ça quand je vois ce qu'ils font ces papas ces couples merveilleux
balongola bana misusu na ba mboka lelo bazana kin ba voyager ba poto ba tozomona tozomona kozonga ko kenzo tozomona tout ça tout ça c'est pas félicité lelo tozana David disait oh quand internet mobimba ah bon ce que batunyon so wana ba ozana concert ebele bituma olongisa na tout ba ozana concert. Alors, déjà nous avons retenu que le pasteur Makalamba est donc au programme et a déjà maintenu pour le 26 mai. C'est un dimanche. Il y a beaucoup de surprises avec artistes, hein, à Paris, donc au Zénith, le tout premier artiste du gospel congolais qui va se produire dans Zénith de Paris, c'est le pasteur Makalamba. Côté pasteur Makalamba, il faut ajouter Izina Motema Malam. Izina Motema Malam. Bon, narokota kunate puisque ce tokoti kuna koma makamu susu minute la biche comme penza na suka totikali na moi quelques minutes ya otanga. Après là le pasteur Makalamba sera de retour à Kinshasa pour na kobeta na stade des martyrs. Les sola stade des martyrs ezandengenine parce que tout monde déjà pasteur Moïse Mbi et la réserve de l'Éternel oyibi ki a tiepe programme date nae le 19 mai. C'est-à-dire que avant que tout Zénith de Paris, le pasteur Moïse Mbi va se produire au stade des martyrs le 19. Oui, bien, non? Le pasteur Mike Kalamba va se produire au stade des martyrs. Mais j'ai dit d'abord le 19, attends, vous savez que nous avons un concert. Est-ce qu'on y a vu que le stade des martyrs a été payé du cash? Parce que je suis journaliste, on a qu'un qui a mené. Non, ça je sais. J'ai été aussi informé par lui-même. Il y a qui a mené par l'investigation. Il y a en collaboration d'artistes. Mais la seule personne qui a tout payé pour le stade de Martyrs jusqu'à présent, c'est le pasteur Mike Kalamba. Donc, c'est la seule date que je connais, que je retiens aujourd'hui. Non, mais vous n'avez pas fait les investigations, donc vous voulez me dire que non. Non, c'est pas... Le pasteur Moïse Mbi qui est venu avant, lui, n'a pas encore soldé. Non, en fait, je ne suis pas en train de dire... Parce que tu es bien dans notre événementiel. Dans notre événementiel. Avant notre date, je dois être déjà sûr avec l'espace, le lieu de la production. Ne dis pas ce que moi j'ai dit. Hein? Et je me dis parce que moi, je n'ai pas dit plus tôt. Dis au moins ce que je dis. Je menais mes investigations sur les concerts du pasteur Mike Kalamba. Et je trouvais qu'il est le seul artiste à avoir soldé, payé cash le même jour. Payé tout l'argent pour le stade de Martin. C'est la seule date que j'ai retenue. S'il faut qu'on parle de ce qui va se passer dans le stade de Martin, je crois que vous pouvez me poser la question de savoir ce qui va se passer le 27 juillet. Comme ça, tu peux évoluer très bien. Voilà. Alors, il y a un message qui vient d'entrer tout de suite. Je vais lire un peu rapidement. Fidèle téléspectateur, ils ont abandonné Kouébélé, Bakomeli, Komelinga, Yawa. Mais Bozelana, on attend rapidement. Comme ça, Tozonga, pour en parler davantage. Et puis, Stade de Martyr, ils ont un membre français, tu es un membre. Tonni ça, Tonni. Stade de Martyr, ils ont un membre. Tonni ça. Merci beaucoup pour votre coup de gueule de ce matin. Merci beaucoup pour votre coup de gueule de ce matin. Le monsieur défend toujours le pasteur Mike Kalamba. Qu'en est-il de la liste publiée par son ex-épouse? Donc, de toutes les façons, on ne parle pas vraiment de ça. Parce que tout le monde a que. Donc, Tokomi a pu télévision. Journaliste. Il y a Ndeko Eliezer. Ma fan est un plateau. Au bazar, appelé à cause révolutionner le monde médiatique. Allez, ton fan est un peu discuté. Laissez-moi un peu commenter sur cette question. Je crois que si la personne qui a écrit notre téléspectateur devait premièrement, excusez-moi, réfléchir mille fois sur une personne divorcée qui écrit une liste, qui établit une liste de ce qu'elle a parlé là. Parmi le nom que la personne a cité, il y a deux femmes qui sont dans le couple. Sérieusement mariées. J'ai dit sérieusement mariées. Elle n'a aucune preuve de tout ce qu'elle dit. Je ne veux pas qu'on en parle. Hein. Je veux pas qu'on en parle. Oh là là, il y a un autre message qui vient d'arriver tout de suite même. Attendez.
Les agents et cadres du Congo, de Congo Airways avaient adressé un mémo, depuis qu'ils avaient adressé un mémo au président de la République sur la gestion opaque, calamiteuse et raciste de l'actuel directeur général, M. José Luéa Boudier. Dans ces mémos, nous avions désavoué ces derniers. Il y a aussi les inspecteurs de l'IGF qui venaient de passer chez nous pour une mission d'audit. Déjà leur premier rapport d'observation de l'IGF qui appuyait les contenus de notre mémo tout en condamnant tout ce qui se passe ci après. Donc, il m'a envoyé le mémo. Ah, nous avons battu les spectateurs, nous avons un problème. Nous avons tout le temps mémo na bango et nio lobanini. Avant tout aussi dit ça, parce que tu as commis la minute à souka. Nous avons déjà mémo na bango, ils ont un syndicaliste. Nazali en direct, mais moi yango batinde lingai, numéro za numéro inconnu ya téléspectateur, bota la makamba comme lingai. Nazotanga la binomo muke parce que biso toza mira lamentation, ce qui mon toazali lesé a rendu ko benga biso. Alors, ba komi boye. Monsieur le directeur général de Congo Airways SA avec CA, madame la directrice générale adjointe de Congo Airways, délégation syndicale de délégation syndicale nationale du Congo, Congo Airways, à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, l'expression de nos hommages les plus déférents à Kinshasa Gombe. Concernant transmission des mémos des agents et cadres de la compagnie nationale Congo Airways SA avec CA porté par les syndicalistes nationaux de Congo Airways. Donc, Bandeko Oyo, attendez. Ah, Makambo Bachize Ibele, je pense que pour Nayo Kisabino Mouté m'a pas cité comme Botindeli, donc vous respectez Bissot, vous honorez Bissot. Lecture des agents. Ah là 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 là, Batindelinga ba élément Isali Ebele, Botindelinga Isali Ebele. Balobi Boy, notre DG a accepté maintenant de négocier. Voilà pourquoi nous voulons juste rappeler notre mémo sans pour autant montrer que nous sommes derrière. Donc ngi ba signaler pour Nabango, baza ko signaler que DG Nabango Azali ko sala makambo ezala raté. Matata ponyo atika ki agence wana na 4 avions. Avions minés. Mais au moment où nous vous parlons, ba komi ko defa ba avion, bazo defa bazo loué. Donc Congo Airways a ali sou na ba avion na été oh matata ponyati. Alors qu'à l'époque tout le monde qui matata ko sou ba avion ya kala, ba Antonov ya kala, mais lelo Congo Airways ezana avion té to komi ko loué. Donc to zokota na biloko à location mboka munene boye. Oh soni ya ndenge nini. Mais si ça ne tient pas, mais c'est le DG démissionné. Parce que bandeko batinel nga message ba li ba aventurier té. Ce sont des compatriotes, donc il y a des parents, il y a des licenciés ici. Oh, Bazali, qu'on sale la mboka. Mais ce qui est commis à Boué, Sony Makasi, monsieur le DG. Régler ces problèmes avec les agents, Balobi Kuna gestion, Isalika. Moi-même, j'ai voyagé avec Congo Airways. J'ai vu deux jeunes dames, Mindele, de Bazali Nakati. Je n'ai pas vu des Congolais. Alors, si ma Congolais, Bazali, lesé, Isali Mboka, Nabango Moko, bon, trouver solution le plus vite que possible, de peur qu'il y ait Rolata Mokonzamboka. Et si on a écrit ça au président de la République, trouvez des solutions. Évitons ça. Comment Airways est cause et comment on a qu'on loue avion, qu'on loue, tu comme qu'on loue avion. Toujours defa avion. Mboka tonda qui était tonda bozu. Ba le biba minerai ezo bimaka na mboka oyo. Tu te rappelles Sonico? Mon frère. Terminons avec le concert du pasteur Mike Olobi le 27 juillet. Comment Makambo nous a préparé? Voilà, le 27 juillet, premièrement, il faut que tu aies bana Katanga, bana Kasai, bana Goma, parce qu'il y a des gens qui viennent de partout. Bah, on va participer à un concert. Il y a pasteur Mike Alambaï. Et ça, beaucoup vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Ah, on a la ville à Kinshasa, disons, en heure d'ici. Parce que droit d'entrée d'abord à Tchekomia. Droit d'entrée, ils ont concert mon co. Papa, il y a du sang à droit d'entrée combien? Ils ont 2500 pamba. 2500 francs à pamba. C'est même pas un dollar. C'est à dire qu'il y a des tous à un concert à Stade des Martyrs, ceux mutabani ou investir un franc par jour. Si donc moyen bas raté zaté. Mouto a raté concert à zaté. Mouto a raté pendant concert à zaté. Bomba 2500 naio. Il y a un concert à Pasteur Mike Alambaï. Et puis, il faut tout signaler le Mongo. Parce que tu as le stade de martyr pour un jour, Mongo. Tu as le Mongo pour au moins 8 jours.
Pourquoi 8 jours? 8 jours, Neyine. Conseil de Béta Majou, Moko. Voilà. Conseil de Béta Majou, Moko. 8 jours pour aller pour matériel le Koya. Et qu'on soit bisso toute une semaine pour pas monter. Pour monter en haut. Et puis, on allait monter par 80 personnes au Baou Taliban pour n'avoir rien monté en haut. Donc, concert, on a sauté raté concert. C'est qu'on a sauté un concert en sauté. Ok, n'était donc c'est la seule date de spectacle qu'on a jamais vécu. Donc, il y a beaucoup de jours, tant qu'on a eu un concert là-bas, c'est comme si après concert, on a eu un coup. On a eu un sauté. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ma message est comme quoi message est comme je demande vraiment à tous les Congolais, tous les Congolais, tous les Chinois, de ne pas suivre tout ce qui se passe. Tout ce qui est pas sur le réseau social, parce qu'il s'agit de pasteur Mike Kalambay. Et vous voyez bien que Maramounion Sezoya, ils ont annoncé gloire. Stade de martyrs Bandoton à partir à 12h, soyez déjà. Alors, c'est-à-dire que tout ça, non, on rate place. Pour niveau, niveau passé, mais je vois comme si le 19, ça sera la même chose. Niveau passé, Bazo Benaye, Paba, Batu. Ou Bazo Outa, États-Unis, Bazo Outa, Belgique, Bazo Outa, Libanda. Non, mais bon, mon at. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste. Toko Zalawana. Tokozalawana, c'est Kadi depuis la commune de Ngaliema. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci déjà pour votre prestation et surtout explication claire par rapport à ma consoeur ou Isaac Salema. Pour la pasteur Mike Kalambay, il fallait qu'il atia ata 5000 Tokoya. Ok, atia komboté. Bonjour, monsieur le journaliste. L'homme en cravate est pro Kalambay. Ce qu'il dit, c'est ça tombe toujours aux côtés de Kalambay. Au tournier Motuna, il y a concert, il y a Mbiye, Atikala correspondre T. Ce que l'isolo a fait Rena Fali. Qui est ferré, qui est Fali entre les deux. Bonjour, je suis Papi Kazadi Chamangue, je vous suis depuis Lubumbashi. Je suis depuis Lubumbashi, je vous suis depuis Lubumbashi. Je serai là au concert du pasteur Mike Kalambay. Alors, c'est par ici que nous allons terminer. La ville de Kinshasa, on n'a pas parlé. La ville de Kinshasa, on n'a pas parlé parce que Minite est commis Mouké. Je pense que Tokozalanao, si tout va bien dans les tout prochains jours, pour tout le monde, la ville de Kinshasa. Oui. Parce que Marambo Kinshasa, si tu au Lobango, il faut tous aller avant pour que nous allons bénéficier. Pour l'imbisabiso, parce que ma révélation, tu as tout ça pour la commune à Kinshasa, et pour la ville à Kinshasa, pardon, te reporter en haut pour soit demain ou après-demain. Mm-hmm. On va vraiment pouvoir en parler comme il se doit. Mais aujourd'hui, on a essayé un peu d'éclairer les zones d'ombre sur ce qui se passe dans Gospel Yambo Kanabiso. Guerre où ils allaient coexister entre les hommes de Dieu, toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu t'es dit? Ce sont eux-mêmes qui ont des problèmes, c'est-à-dire le pasteur Mike Kalambay et Moïse Mbiye, ou bien c'est le public qui veut créer des polémiques. En tout cas, il y a une minute pour toi. Bon, avant tout, je vous remercie pour l'invitation, ainsi que l'indignonso, l'indibiso. Il n'y a pas une guerre. Il n'y a pas une guerre entre les enfants de Dieu. Il n'y a pas de guerre. Il y a ce qui se passe, ça sera réglé. Mais moi, j'aime que ça se règle après ma concert à Stade de Martyr. Voilà. Je salue quand même, je peux saluer des personnes. Et c'est réglé après ma concert à Stade de Martyr. Et c'est réglé après ma concert. Ok, terminons. Terminons. Oui, oui, je dis merci à tout. Non, ça va quoi, émission la même. Émission la haute. Donc, vous voyez, ah ouais, au lieu, donc, émission nos caca. Personne n'a tout ce qui me balaye beaucoup. Henriette Ouamou, moi je vous salue. Je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous faites. Et bientôt au sommet. Bientôt au sommet, je dis au président de la République de s'en souvenir de cette dame qui fait la fierté de. C'est bon, Naoki. C'est bon, Toke. Toke. Beta Asuka. C'est bon, papa. C'est bon, Toke. Beta Asuka. Je t'ai dit. Beta Asuka, tu es ici. C'est quelqu'un qui mérite trop. Ouais, les gars, toujours dans la cour constitutionnelle. Tout est lié. Bon, Toke. Tout est lié. C'est bon. Oh. C'est bon. Il y a mon Nati. Silissa. Monsieur. Manix, Manix, salut. Il y a mis Balenan. Je salue le pasteur Samuel. Révérend pasteur Samuel. Il est dans sa présence, church. Dans sa présence, church. Balayon, c'est dans son présence. Compliments, cher pasteur. Je salue aussi l'honorable Maouija. Jounes, tu
toujours présent. Honorables députés et sénateurs, chers collègues. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Je salue aussi mes frères et sœurs. Je peux saluer une personne. Une seule personne. Terminons. Aussi la très importante Guy Luando Mbuyo, maître Guy Luando Mbuyo, son excellence. Okay. La fierté de la République démocratique du Congo, côté du président de la République. Je sais. Pour toi, et c'est parmi les ministres qui ont bien travaillé, Très bien travaillé, chapeau bas pour le travail. Ainsi que son secrétaire général du parti AREP. Kokomakuna. Non, AREP. Ah. Non, mais ça n'arrive pas à RDEV. Il y a Jacques Yaboul. Jacques Yaboul, ouais. Vous avez un problème dans le Katana. Gouverneur. Vous allez candidat pour Nath. Non, ouais, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci pour votre patience, surtout. Vous supportez moi, mon balo. Azalara Makele, le moi, mon balo. Talamara Moyo, Salangana Plateau, le lot. En direct, j'ai dit un grand merci au CB Enok Mukela Kasongo, le président de tous les jeunes Kassaïens. Napesio Mbote, Nekonanga. Merci également à Yuayako Kalimbui. Qui est le président national de Vision Fati Rénové du Okatanga, Yé Azalobi, c'est Jacques Yaboula ou rien comme gouverneur de la province de Okatanga. Il soutient d'ailleurs les tickets de l'Union Sacrée, les trios Michel Kaboué, Kiaboula Jacques et Martin Kazembe. Donc Kalimbuyu avec Alobi, Trokutana Kaka, rendez-vous au Parlement et au gouvernorat du Okatanga. Merci à Manix Kimbolo qui a assuré la coordination de ce programme si miscleux, donc les coups de gueule de ce matin, c'est lui qui a ordonné. Manix Kimbolo, merci à toi. Merci également à la supervision de Didier Kikou, qui était là au four et au moulin, qui a d'ailleurs un chef qui se déguise en agent. Il est mouton mixé émission OU. Pourquoi ne pas lui dire merci? C'est ça le pouvoir de l'amour. Il nous les prêche ici sur Tokomiapi Télévision, un homme qui s'assoit avec ses collaborateurs pour échanger. Donc, merci beaucoup pour cette marque de considération et aussi confiance envers vos agents. Je n'ai pas oublié Martine Ouema, Amos Loubaki. Je vous dis merci également pour votre patience et amour envers nous. Allez, retrouvons nos prochains numéros avec...